Tesla va fractionner son action par 3 pour rendre le titre plus accessible. Très bien, ils avaient déjà fractionné par 2, là ça va être par 3 du coup. Ah non, c'était par 5 hein, en 2020. Attends que ça? Ah oui, je me rappelais plus. Et elle avait prévenu en mars qu'elle allait demander lors de l'assemblée générale de ses actionnaires le feu vert pour augmenter le nombre de ses actions en circulation afin de pouvoir ensuite les fractionner. Mais elle n'avait pas précisé de combien l'augmentation sera soumise au vote de l'assemblée générale du groupe le 4 août. D'autres géants de la bourse, dont l'action a explosé ces dernières années, ont procédé à des opérations similaires. Ces derniers temps, Amazon notamment, a ainsi divisé son titre par 20 lundi, et Alphabet, la maison mère de Google, prévoit de faire de même le 1er juillet prochain. Un fractionnement d'actions ne change rien à la valeur totale d'une société. Il modifie uniquement le nombre d'actions en circulation. Mais l'entreprise qui procède parie qu'à un prix moins élevé, une action attirera de nouveaux petits porteurs. Tesla explique vendredi, dans un document boursier, que l'entreprise propose à tous ses employés la possibilité de recevoir ses actions, une façon d'attirer et de retenir les meilleurs talents. En abaissant le prix unitaire, actuellement à environ 700 $, ils auront plus de flexibilité pour gérer leurs actions d'avance l'entreprise. Un nouveau fractionnement d'actions rendra aussi notre action plus accessible aux actionnaires particuliers. Oui, c'est sûr, hein, parce que là, acheter une action à 700 euros, c'est beaucoup quand même. Hein. Alors du coup, il serait divisé par 2, donc... Ah non, c'est par 3. Ah, j'avais mal lu. C'est par 3, d'accord. Donc là, ouais, ça serait autour de 250-200 euros, quoi. Entre 200 et 250 euros l'action. Ouais, ça serait déjà plus raisonnable. Bon, l'idéal, ça serait 20 euros l'action. Là, tout le monde pourrait participer, mais bon. Ils le feront pas, ça serait un peu trop là. Vous en pensez quoi, vous? Ciao!